Salut, dans ce format court, on parle d'exponentielle de fonctions, c'est-à-dire des fonctions de la forme exponentielle u de x, avec u de x, une fonction. Et donc on va baser ce format court sur deux points. On va s'intéresser dans un premier temps aux limites et dans un deuxième aux dérivées. Je commence par des limites très simples. Avec la plus simple des fonctions, u de x, fonction u de x égale moins x. Qu'est-ce qu'on fait quand on a la limite de exponentielle? Moins x égale plus l'infini. Ben, dans ce cas-là, c'est plutôt simple, mais à chaque fois, on va se pencher sur ce u de x. Je vais d'ailleurs l'écrire grand x, pour simplifier. Donc ici, grand x, c'est moins x. Alors, quand x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini. Donc en fait, ça revient à faire exponentielle moins l'infini. Et ben, ce qu'on fait là, à l'oral, intuitivement, c'est ce qu'on appelle un changement de variable. Et autant là, ça vaut pas le coup de le faire, autant des fois, comme ici par exemple, sur limite exponentielle 4 moins x cube en plus l'infini, ça vaut le coup. Donc je vous conseille dans un premier temps d'écrire grand x égale 4 moins x cube. Et on va s'intéresser déjà à la limite de ce grand x quand x tend vers plus l'infini. Donc on le fait en deux temps. Eh bien, ça revient à faire la limite de 4 moins x cube. Et donc, x cube tend vers plus l'infini avec le moins, ça fait moins l'infini. Donc, ma limite de base revient à faire la limite d'exponentielle grand x quand grand x tend vers, on a trouvé quoi? Moins l'infini. Et puis ça, c'est une limite de base. Donc en fait, c'est comme les poupées gigognes, les poupées russes, on incruste une limite dans une limite. On recommence avec cette fois-ci exponentielle d'un quotient en moins l'infini. Fonction rationnelle plutôt. Eh bien, on va poser ce grand x égal x carré plus 3 sur x carré moins 4. Et on va s'intéresser à la limite quand x tend vers moins l'infini de ce grand x, c'est-à-dire la limite de ce quotient quand x tend vers moins l'infini. Et rappelez-vous, en moins l'infini, hein, ça revient à faire la limite de x carré sur x carré, terme de plus haut degré. Et ça fait 1. Donc en fait, ma limite de base revient à faire limite d'exponentielle grand x quand grand x tend vers 1, c'est-à-dire e puissance 1, c'est-à-dire e qui est un nombre, une limite au même titre que 0. On passe aux dérivés. La dérivée d'exponentielle u, c'est exponentielle u fois u prime. Au même titre, petit rappel que la limite de ln de u, c'est u prime fois 1 sur u, c'est-à-dire u prime sur u, pour u strictement positif, bien sûr. Donc c'est plutôt facile à dériver. Petit exemple, si h de x vaut exponentielle moins 3x plus 2, h prime ou k prime plutôt de x vaut exponentielle moins 3x plus 2 fois la dérivée de moins 3x plus 2, c'est moins 3. Allez, un exemple complet cette fois-ci, on va étudier la fonction h de x égale 10x moins exponentielle 2x, définie sur R. On commence par les limites. En moins l'infini, aucun souci. Donc on écrit que la limite de 10x en moins l'infini, c'est moins l'infini. Et que la limite d'exponentielle 2x en moins l'infini, alors là on pourrait faire un changement de variable, mais c'est plutôt simple. Hein. 2 fois moins l'infini, ça fait moins l'infini, donc ça tend vers 0. Donc par somme, limite de h de x, c'est moins l'infini. En revanche, souci en plus l'infini, forme indéterminée. Vous pouvez le vérifier sur papier. Donc là, en fait, on va factoriser par x. On se retrouve avec h de x égale x facteur de 10 moins exponentielle 2x sur x. Or, forme à reconnaître, exponentielle 2x sur x, c'est presque comme exponentielle x sur x. L'exponentielle remporte, ça donne plus l'infini. Et donc l'intérieur de la parenthèse, 10 moins un truc qui tend vers plus l'infini, ça fait moins l'infini. On a x devant qui tend vers plus l'infini, donc par produit cette fois-ci, la limite c'est encore moins l'infini. On dérive. La dérivée de 10x c'est 10, la dérivée d'exponentielle 2x c'est exponentielle 2x fois 2, c'était une somme, hein. Donc toute simple. Et donc pour avoir le signe de la dérivée, on compare 10 moins 2 exponentielle 2x à 0. On passe le moins 10 de l'autre côté, le 10 plutôt de l'autre côté, ça fait moins 10. On divise par moins 2 en changeant l'ordre et on bascule finalement sur ln pour enlever l'exponentielle. Donc au final, x est plus petit que ln de 5 sur 2. N'hésitez pas à mettre sur pause. On se retrouve avec ce tableau de variation. On pose les limites. Je vous laisse calculer l'image de ln de 5 sur 2 et on vérifie évidemment à la fin qu'on a la bonne courbe qui correspond à ce qu'on a trouvé.